Super. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie. Donc on se retrouve comme chaque lundi ensemble pour notre circuit training avec Sport Management System. J'espère que vous êtes en forme cette semaine. J'espère que vous avez tous du beau temps, voilà, et que vous êtes prêts à attaquer la semaine. Alors au programme, ce que je vous ai prévu. Comme d'habitude, on est sur un circuit training. On en aura deux, j'aime bien en faire deux. Un premier qui va être essentiellement renforcement musculaire, avec tout de même un dernier exercice bien cardio. Et puis un deuxième circuit qui, aujourd'hui, j'ai choisi de travailler sur deux groupes musculaires. Un sur la chaîne antérieure qui va être la sangle abdominale et un sur la chaîne postérieure qui est le dos. Hein, puisque comme vous savez, c'est deux muscles qu'on travaille ensemble. Donc voilà pour le deuxième circuit. Comme d'habitude, on attaque par un échauffement, corps des séances et un petit retour au calme. Au niveau du matériel, vous n'avez besoin de rien du tout aujourd'hui pour cette séance, uniquement quand même, peut-être un tapis, bouteille d'eau, ça par contre si c'est obligatoire, hein, pour vous hydrater, et puis une serviette, voilà, si vous transpirez, si vous avez besoin de vous éponger. Voilà. Et bien on est parti, je vois que les gens commencent à se connecter petit à petit, hein. Ils nous retrouveront. Donc je vous invite à passer debout pour l'échauffement. Allez, on y va. Petit élargissement du bassin. On va venir réveiller la zone du dos et plus particulièrement des cervicales. On incline, puis de l'autre côté. Donc c'est mon oreille en fait qui vient se rapprocher de mon épaule. Hein. Voilà. Mon oreille se rapproche de l'épaule. Et ainsi de suite, sans forcer, on y va tout doux, hein. On se réveille, voilà, on inspire, inclinaison d'un côté, j'expire, inclinaison de l'autre côté. Et petit à petit, on vient commencer à engager notre sangle abdominale et on va garder cet engagement pendant bien 55 minutes. Comment je fais pour engager la sangle abdominale? Eh bien, vous rentrez votre ventre, on a enfilé notre jean trop petit, notre ceinture trop serrée. Et tout en gardant cet engagement, je viens cette fois-ci réveiller toute la colonne. Voilà, petite chose que vous pouvez faire, ça vous au réveil, hein, tous les matins, ce genre d'étirement pour vous mettre en route. Et encore, j'inspire et je souffle à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'être tous sur le même rythme ce lundi. Et encore 6 et 5 et 4, j'exagère encore plus sur le côté, et 3 et 2 et dernier, je reste et je tire comme si moi je venais là chez vous et je tirais votre main sur le côté et l'autre jambe dans le sol. Et même chose de l'autre côté, je viens tirer votre main, tirer vos jambes d'appui dans le sol. Ok, et ensuite relâchez. Alors, pied largeur du bassin, vous allez venir mettre vos mains au niveau de votre bassin, là, ici. Et là, vous sentez, il y a des os pointus hein, au niveau du bassin. Vous attrapez ces os-là et regardez ce qui se passe. Je viens faire une antéversion pour réveiller mon bassin. Je pousse les deux os pointus vers l'avant, ce qui fait que mes fessiers partent vers l'arrière. Pour protéger mes genoux, microflexion. Ça, j'évite, c'est pas bon. Hop, microflexion. Ok, on est sur l'antéversion. Maintenant, rétroversion, hop. Je pousse les épines vers l'arrière et voilà, les fessiers se contractent. Antéversion, j'inspire vers l'avant. Rétroversion, ça on va l'utiliser pendant notre circuit sur certains exercices. Hein. C'est pour ça qu'on voit ensemble dans l'échauffement. Antéversion, puis rétroversion. Et encore, j'essaie d'aller un peu plus loin. Antéversion, rétroversion. Anté, venez débloquer ce bassin. Poussez, 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 poussez les épines jusqu'à ce qu'elles viennent manger vos doigts. Jusqu'à ce que le buste, si possible, peut-être, ça ne tire pas trop, soit parallèle au sol. Et rétroversion. Encore. Et dernière fois. Antéversion. Et cette fois-ci, j'y reste. Antéversion maximale suivant vos possibilités. Je tends un bras. Je tends le deuxième. Et je reste. Pour 8 et 7. 6, 5, 4, 3, 2. Dernier, positionnez les mains au niveau du bassin et poussez avec les jambes et remontez. Ok, maintenant je viens ouvrir un genou sur un côté, puis l'autre. J'inspire et je souffle.
Celui-là, c'est celui qu'on fait d'habitude, hein. Ensemble, on vient ouvrir les hanches. Et encore 6 et 5, 4, 3, 2. Dernier pied, largeur du bassin, cette fois-ci je vais fermer. Donc mouvement inverse, hop, je referme et je replace le pied juste à côté de l'autre. Hop, je referme. Et vous avez vu, peut-être que c'est un peu difficile là, de garder son équilibre, c'est normal. C'est le matin, début de séance, début de semaine. Fixez un point loin devant, ça peut vous aider. Et si vraiment vous n'avez absolument pas d'équilibre en ce moment, vous posez la main sur le mur ou sur une chaise, hein, si besoin. En plus, aujourd'hui, on aura des fentes alternées. Donc, ceux qui ont l'habitude d'utiliser la chaise, vous pouvez la récupérer aussi aujourd'hui. Et encore 6 et 5, 4, 3, encore un de chaque côté. Dernier. Ok, et relâchez. On revient sur la colonne avec l'enroulement. Le menton vient chercher votre sternum. Et ensuite, j'enroule, j'arrondis. Hop, vous avez vu, là j'arrondis, je deviens dessus. Mes omoplates s'écartent, mon ventre se creuse, je fléchis les jambes pour protéger les genoux et le dos. Hop, et ensuite je remonte. Et là par contre, j'ouvre complètement. Et encore, j'arrondis, tout se tasse, je tasse mon corps, je viens coller mon nombril à mes cuisses. Et ensuite, au contraire, j'ouvre tout ça, je tire mes épaules vers le bas, la poitrine est ouverte. Dernière fois ensemble. Je me recroqueville en boule, je recroqueville tout, je colle cuisse, nombril. Et ensuite, au contraire, j'ouvre et je reste. Ok. Pied un petit peu plus large que votre bassin, comme d'hab. Pointe le pied vers l'extérieur pour éviter que les genoux rentrent. Et on est parti ensemble, on inspire. On souffle avec nos squats. J'inspire, je descends, je souffle, je monte. Allez, maintenant vous avez l'habitude, hein, entre les circuits de Benoît, les miens, le squat vous le connaissez bien. Donc on a toujours les genoux vers l'extérieur, on presse les plantes de pied pour engager toute la chaîne postérieure des muscles, mollets, ischio-jambiers, fessiers. Et encore, 5. 4, 3, je garde le droit, buste ouvert, 2, et dernier, je reste, j'ai ma chaise qui est très loin derrière, si jamais vous êtes comme moi, vous avez tendance un peu à cambrer, rentrez le sacrum à l'intérieur des deux fessiers, je reste, 4, 3, 2, dernier, poussez les plantes de pied, et remontez, ok, prochain exercice, on démarre debout, on va se retrouver au sol, et on va revenir debout. On va marcher avec nos mains. Ça donne ceci. Pied à la du bassin, hop, je fléchis les jambes et je viens marcher sur mon tapis. Je suis en planche avec les genoux ou pas au sol. Ensuite, je repasse debout. Donc là, si j'ai les genoux au sol, je viens de les décoller. Et je marche avec les mains. Et je repars, je descends, on y va ensemble. Fléchissez les jambes, venez marcher. Trouvez vos fondations de planche, comme d'habitude, soit avec les genoux au sol, soit sans les genoux. Et ensuite, poussez avec vos abdos et avec vos paumes de main pour remonter. Et encore, c'est parti, descendez, marchez avec les mains. Vous êtes dans une planche, poignet, coude d'épaule, tout ça aligné. Ensuite, repoussez le sol, sentez ce qui se passe. Et dernière fois, inspirez, fléchissez les jambes, venez marcher. Vous êtes en planche avec les genoux ou sans les genoux. On reste un peu. Encore. 4, 3, 2, dernier. Hop. Et je pousse et je remonte. Ok. Avant-dernier exercice pour l'échauffement. On va revoir ensemble les fentes, puisqu'on en a dans notre circuit. Donc, je démarre avec mes pieds à jour du bassin. Ensuite, j'emmène jambe droite ou jambe gauche, comme vous voulez. Très, 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 très loin derrière. Et là, je n'exagère pas. Je vais vraiment chercher très, très loin derrière. Okay, une fois que vous avez ça, on est parti ensemble. Le bassin face au mur devant vous. Et inspirez, soufflez. Inspirez, le genou arrière commande, il descend. Soufflez, montez. Et encore, allez-y, continuez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Ceux qui utilisent la chaise d'habitude, hop, avec mon bras, je m'aide de la chaise. Et encore 4 de ce côté.
3, 2, dernière, et on relâche. Sur la fente, il est important d'activer l'équilibre. Pour ça, vous fixez un point droit devant vous, et là, vous rentrez encore plus. Hein. L'autre jambe, pareil, je vais chercher moins loin, loin derrière. Si je ne vais pas chercher loin, voilà ce qui se passe en fait. Je vais, vous voyez, ça ne va pas du tout. J'ai mon genou là qui part trop vers l'avant. Donc, loin derrière, et on y va ensemble. Je fixe mon point. À votre rythme, pour la rapidité. Et encore 4. Et encore 3. 2. La dernière. Essoufflez, remontez. Ok. Et pour terminer tranquillement cet échauffement, hop, rejoignez-moi dans un petit exercice cardio. Tirez les coudes de chaque côté du buste. Et on y va. Vous savez que j'aime bien les petites combinaisons. Donc on va en faire une aussi ce lundi matin. On est parti. Encore 8 comme ça. 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Et je change. Hop, devant. Et pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. On repasse derrière. À votre rythme. Juste ce qui est indispensable, c'est de bien activer vos bras, de mettre de l'intensité, de la volonté. Encore 4, 3, 2, dernier. Et j'enchaîne. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Et soufflez, relâchez. Alors, avant de commencer, vous allez juste attraper votre coude. Inspirez. Soufflez, accompagnez-le. On vient ouvrir vos épaules. On aura besoin pour certains exercices. Et ensuite, relâchez. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Soufflez, accompagnez. Ok, encore une fois de chaque côté. Inspirez. Et dernière fois, inspirez. Ok. Et relâchez. Alors, je vous explique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 exercices pour le premier circuit. Voilà. On reste sur nos 45 secondes de travail et puis 15 secondes de récup. Hein, ça fonctionnait bien jusque-là. Donc, on va rester là-dessus. On fait 3 tours et à chaque fois, comme d'habitude, sur le deuxième, on rajoute option. Sur le troisième, on rajoute option pour y aller crescendo. Voilà, pour que chacun y trouve son compte. Comme d'habitude, petit commentaire. S'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne vont pas, si vous avez des blessures ou quoi que ce soit, vous nous prévenez. Comme ça, avec Benoît, on peut adapter et trouver des choses qui vous conviennent. Voilà. Allez, c'est parti. Le premier. Voilà l'exercice. Ça va être un squat. On démarre en squat, d'accord? Sauf qu'on va le modifier un peu. On va faire un travail de jambes et un travail d'épaule. Donc je pars pour 2. Ensuite le troisième. Je reste en bas. Et mes épaules prennent le relais sur 8 ans. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Je ne sais pas si on voit bien, mais mon buste ne bouge pas. C'est-à-dire que je ne pars pas sur le côté. Je reste figé. Sans l'abdominal, les abdominaux bossent. Et mes épaules, c'est tout. Le reste de mon corps reste en isométrie. Et on est parti ensemble pour 45 secondes dans 4, 3, 2. On commence avec 2 en dynamique. On y va ensemble. Inspire, souffle. Encore une fois. Le troisième, je reste. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Et je remonte. Ensemble pour 2. Inspirez, soufflez, utilisez les bras. Encore. Inspire, souffle. Inspire et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier et je reviens. Encore. Le deuxième. Troisième, je reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Et vous me faites ça encore 2 fois, c'est à vous. Allez, poussez-moi les fessiers vers l'arrière, les genoux vers l'extérieur. Et la boxe. Et dernière fois, inspire. Souffle, monte. Encore. Restez bloqué en bas et buste figé. Et ensuite, poussez avec les plantes de pied et remontez, restez. Ok. Pendant que vous récupérez, je vous montre la suite. On va démarrer pied largeur
du bassin, genoux déverrouillés. Comme on a vu à l'échauffement, antéversion. Qu'est-ce que c'est? C'était ça. Je pousse mon bassin vers l'avant, mes fessiers vers l'arrière, ok? En même temps qu'on va faire ça, regardez, les mains sont derrière la tête. Donc, antéversion, pas. Et j'incline mon buste. Et ensuite, je pousse avec les jambes pour aider mon dos à remonter. Je descends. Et ensuite, je remonte hein, pour les ischios, les fessiers et le dos. On est parti dans 4, 3, 2 et on y va ensemble. Pied largeur du bassin. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir s'incliner très très loin. En plus, on le découvre ensemble cet exercice. On ne l'avait jamais fait. Donc, on y va crescendo. On n'oublie pas, on a 3 tours. Premier tour, continuité d'échauffement, découverte des exercices. Et les deux prochains, on se lâche, on y va, on en profite. Et encore, antéversion, débloquez-moi ce bassin, poussez le bassin vers l'avant, le fessier vers l'arrière, et je remonte. Encore. Alors là, on fait poids de corps. Mais c'est un exercice qu'on peut faire en ajoutant des poids, hein, avec une barre. Mais rien qu'au poids de corps, déjà vous le sentez, hein, quand vous poussez les fessiers vers l'arrière, sentez l'arrière des cuisses qui s'engagent, et revenez. Encore, 3 fois. Inspire. Et souffle, revient. Plus que 2. Et dernière fois. Et poussez-moi ces fessiers vers l'arrière. Et ensuite, pressez les plantes de pied, remontez. Et relâchez. Récupérez. Et je vous montre l'exercice suivant. Travail, focus, jambes. Premier tour, fente alternée. C'est celle qu'on appelle l'échauffement, sauf qu'on les alterne. Quelque part, c'est même plus facile. Je démarre là, hop, je viens m'asseoir dans ma fente, hein, mon genou derrière, je remonte et je viens retrouver mon autre fente. Hop, et si je suis, j'ai envie de coordination, je rajoute avec les bras. Devant, il tire vers l'arrière. Devant, il tire vers l'arrière. Et on est parti dans 4, 3, 2, ok, on y va pour les fentes. Donc, si je travaille d'habitude avec une chaise, pareil, j'ai la main qui attrape la chaise, j'ai le regard droit devant et je fais tranquillement mon exercice. Vous pouvez le faire lentement. Si vous avez l'habitude que vous voulez ajouter une dimension cardio, vous pouvez le faire plus rapide. C'est vous qui gérez l'amplitude. Soit je descends, je rapproche au maximum le genou au sol, soit si je sens que j'ai fait peut-être une séance hier, je suis un peu courbaturée, je vais chercher moins loin, en bas. Hein. Voilà, à vous de voir. Comme d'habitude, vous adaptez. Allez, encore 3, encore 2, la dernière. Et soufflez, relâchez. Comme d'habitude, si besoin, petit coup de pied. Pour la suite des exercices, on va descendre au sol ensemble. Hop, je suis au sol. Et on va démarrer avec, pareil, une planche inversée. Donc on n'a jamais fait cet exercice ensemble. Donc on va prendre le temps de voir les fondations. Je vous donne toutes les options parce qu'il n'est pas facile, celui-là. Ceux qui sont fragiles des poignets, vous allez plutôt faire le pont. Donc, première option, je suis fragile au niveau des poignets, ou je ne connais pas l'exercice. Voilà, je suis comme ça. Les doigts en direction de vos talons, j'en fléchis. Je prends une grande inspiration et la expiration, hop, muscle fessier qui va travailler principalement là pour le coup. À l'aide de mes fessiers, je monte le bassin, le pubis vers le plafond. Ça, première possibilité. La deuxième, peut-être que je connais déjà l'exercice, j'ai pas de problème de poignet, et bien il y a plus de poids de corps. J'ai les jambes allongées, bout des doigts en direction des pieds, j'inspire, j'expire, je monte. Même idée. Et ensuite, je reprends une respiration normale. Voilà, nombril rentré, périnée engagée. Et on va rester pendant 45 secondes. Chacun choisit son option. Et on est parti dans 4, dans 3, dans 2. Et c'est parti. Si vraiment, même le pont ne convenait pas à vos poignets, du coup, vous passez en planche normale avec fondation avant-bras au sol. Voilà. Vous fixez votre objectif droit devant. Et là, surtout, pas de relâchement du bassin. Activez-moi ce muscle fessier. Voilà, contractez les fessiers, contractez le triceps,
tirer les épaules loin des oreilles. Surtout, je ne reste pas comme ça, non. Pressez avec les paumes de main pour descendre vos épaules vers le bas. Inspirez et expirez à fond. Si je ne tiens pas, je pose légèrement les fessiers au sol, ni vu ni connu. Hop, et je remonte. Allez, encore 15 secondes. Accrochez-vous. Et encore. 5, 4, 3, 2, dernière. Et posez, relâchez. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour la planche inversée. N'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire pour qu'on voit ça après. Depuis la planche inversée, je passe sur le dos. Celui-là, vous le connaissez, on l'a déjà fait ensemble. Paume de main au sol. Et là, à la force du grand fessier, hop, pareil. Je monte le pubis vers le plafond. J'ai les talons qui ne sont pas trop loin du bout des doigts. Vous avez vu, hein, je peux les toucher en fait. Et ensuite, je redescends. Pour que ça soit uniquement le muscle fessier qui bosse, ce qu'on va faire, c'est que, alors, pour celles qui ont une brassière ou un soutien-gorge, vous avez la tâche qui reste ancrée dans le mur, d'accord? Pour ceux qui ne portent pas de brassière ou quoi, jusqu'au milieu de votre dos, hop, ça reste collé au tapis, d'accord? Et là, on va faire ce qu'on a vu à l'échauffement, la rétroversion, pas d'antéversion. Vous voyez, là, j'ai pas les épines qui partent vers l'avant. Je cambre pas. Rétroversion. Voilà. Et là, on est sûr qu'on est bien et que c'est bien les fessiers qui bossent. Et on est parti en 4, 3, 2, et c'est parti. Rétroversion. Jusqu'au milieu du dos collé dans le sol. Inspirez, essoufflez, montez. Ce qui fait que je ne peux pas monter très très haut. Hein. Si j'ai ma rétro, si j'ai le milieu du dos, la tâche du soutien-gorge, brassière collée au sol, je ne peux pas monter très très haut. Mais par contre, vous devez sentir à fond que vos fessiers sont bien contractés là. Hop. Voilà. Ils sont contractés tout le temps, même à la montée, même à la descente avec la rétroversion. Hein. Tout le temps. Et encore, inspirez, soufflez. Allez, on met de l'intensité, on presse les talons dans le sol. Pressez, pressez, pressez. Vous voulez écraser quelque chose. Sur chaque expiration, j'enfonce mon talon dans le sol. Et encore 4, 3, 2, dernier. Et soufflez, relâchez. Vous avez juste à passer sur le ventre pour le prochain exercice. Exercice du pointeur, on l'a déjà fait ensemble. On va travailler votre dos, votre transverse, ensemble abdominal, grand fessier, le bras. Alors, et l'équilibre d'ailleurs. Quatre pattes, poignets, coudes, épaules, tout ça sur la même ligne, genoux juste en dessous de vos hanches. Vous choisissez une jambe, coup de pied flex avec le pied arrière, ok? Les hanches, on appelle ça carré, ça veut dire quoi? Pas d'ouverture de hanche, le gros orteil, regardez, hop, je me décale vers le sol, voilà. Ensuite, une fois que je suis prêt, je tends le bras opposé et je reste pendant 45 secondes. Et on est parti ensemble. C'est un exercice, souvent ce qui se passe, c'est que les gens ils le font de manière passive parce qu'ils sont concentrés sur l'équilibre. Donc du coup, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont le bras et la jambe arrière qui pend vers le bas. Non, non. Engagez-moi ce muscle fessier, engagez l'épaule, engagez les muscles du bras jusqu'au niveau de la main. Tout est très actif. Coup de pied, pareil. Hein? Voilà, et vous restez, le regard entre vos deux mains. Et si vous sentez que le bras descend, la jambe descend, allez, une petite inspiration, je souffle les jambes dans tout ça. Il nous reste 10 secondes. Pressez avec la paume de main dans le sol, et là vous sentez qu'il est fatigant comme exercice, hein, il est très engageant. Et 3, et 2, dernière seconde, soufflez, relâchez, je décontracte le poignet, hop, je fais des petits cercles, voilà, et même chose de l'autre côté. Posture de départ, allez, on est parti, jambes opposées, coup de pied flex, et ensuite, le bras, hanche carrée, le regard vers le tapis, allongez votre dos, là je viens tirer votre main, et quelqu'un d'autre vient tirer votre pied derrière. Hein. Hop,
on cherche à écarteler entre guillemets toute votre colonne vertébrale. D'accord. Il vous reste 15 secondes et vous respirez. Chaque expiration, ma ceinture elle se resserre encore un peu plus, mon jean il est encore un peu plus serré. Et 5, et 4, 3, 2, dernier, soufflez, relâchez. Il nous reste un exercice pour terminer ce premier tour. On va se retrouver debout pour un exercice cardio. Enfin, plein de petits exercices cardio. On va les enchaîner pendant 20 secondes. Objectif, on réveille ici le muscle du cœur. On vient se défouler. Mais on y va crescendo, comme d'habitude. Premier tour, on va commencer avec celui-ci. Je viens fléchir les jambes et je viens en même temps travailler les bras. On est parti dans 4, 3, 2 et 20 secondes pour celui-ci. Et respirez. Et encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier et on enchaîne. Jumping jack. Donc si je ne peux pas sauter, dégagez côté. Mais je garde l'intensité sur le jumping jack périné bien engagé. Et je passe très peu de temps au sol. Vous avez vu, une à deux secondes, pas plus. Hop, et je repars. Voilà. Et encore. 8, 7, 6, 5. Plante de pied bien au sol. 2. Dernier. Ok. Et là, montée de genoux. Première option, on l'avait déjà vu ensemble la semaine dernière. Je monte les genoux avec les plantes de pied au sol. Ou alors, je décolle si je veux faire mes sauts. Je tire mes coudes derrière moi. Voilà. Et encore. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dernier et côté. Pour 2. Et je change. Celui-là, on l'a déjà vu ensemble. Et 1. Et 2. Hop. Et encore. Adversaire sur le côté. Et je viens. Et encore. Voilà, très léger. Pareil, très peu de temps au sol. Si je ne veux pas sauter, je le fais sans saut. Et 1, et 2. Encore. Pour 4, pour 3, pour 2. Dernier. Et soufflez, relâchez. Premier tour de fait. Donc voilà les exercices avec lesquels on va travailler aujourd'hui. Deuxième tour. Soit vous restez là-dessus, parce que ça vous convient aujourd'hui. Soit vous sentez que vous pouvez encore aller un peu plus loin. Et du coup, vous allez prendre les options que je vais vous proposer. Voilà. Pour le premier exercice, je pense que tout le monde va pouvoir le suivre, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer. Je vais faire, c'était nos squats avec en même temps le travail des épaules. Ok, 4, 3, 2, dernier. Ensuite, je pars pour 2. Je vais le faire avec vous, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter pour la mémoire. Ensuite, je reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Et je repars. 4, 3, 2, dernier. 2 en dynamique. Je bloque en bas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Là, j'ai rajouté juste l'isométrie du début. Hein, voilà. Pour intensifier la contraction de la cuisse. On est parti ensemble, je le fais avec vous, comme ça vous avez juste à me suivre. On y va dans 4, dans 3, dans 2. Et c'est parti, on vient s'asseoir dans son squat, on pousse les fesses vers l'arrière. 4, 3, 2, dernier. Et je monte pour 2. On bloque tous en bas et on est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. On remonte, récupération, je redescends pour 4, 3, 2, dernier, 2 en dynamique, inspire, souffle, je reste là, épaule, buste figé, 5, 4, 3, 2, dernier, on repart, on reste 4 temps, 4, 3, 2, dernier, 2 en dynamique, inspire, souffle, inspire, presse les plantes de pied, descend en bas, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier, allez, vous m'accompagnez sur le dernier, on reste 4, 3, 2, dernier, et inspirez, soufflez, encore un, je reste là, épaule, c'est le dernier, 8, 7, 6, 5, 4, figez le buste, 3, 2, dernier, poussez, remontez,
Ok. Le deuxième, je ne le change pas, on le laisse comme tout à l'heure. Vous savez, c'était jambes, travail de la chaîne postérieure et travail du dos. Avec l'antéversion, main derrière la tête, antéversion, hop, je descends, j'inspire, je souffle. C'est les jambes qui vont bosser avec le dos pour remonter. Poussez-moi tout ça dans le sol et redressez la colonne. On est parti dans 4, 3, 2, allez, on va. Allez, je fais avec vous. J'inspire, bloquez, soufflez, poussez. Et si vous poussez les jambes dans le sol, vous devez sentir la merde de vos cuisses qui s'engage. Moi, je le sens, vous devez le sentir aussi. Inspirez, poussez les plantes de pied, venez sentir l'ischio-jambier. Ok, encore, inspire, rentrez le ventre. Et encore, inspirez et soufflez. Allez, c'est vous et l'intensité que vous mettez dans vos exercices qui vont vous faire progresser. Encore, inspirez, poussez le sol. Allez, on est dynamique, on est actif. Encore 3. Inspirez, poussez, remontez. Et encore 2. Inspirez, allez, comme s'il y avait quelque chose de très important. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et dernière, inspirez. Et relâchez. Notre exercice de fente, pour l'intensifier, vous vous en doutez, on va rajouter des isométries, du statique. Donc on va commencer, jambe droite, jambe gauche, comme vous voulez. On l'emmène cette jambe loin derrière, très 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 loin derrière. Hop. Et ensuite je fléchis la jambe arrière et on va rester là. Ceux qui veulent, pour travailler un peu les épaules, un bras, peut-être deux. Et dans les deux cas, tirez-moi les omoplates vers le bas. Tirez donc vos, et ça va faire pas baisser vos épaules. On y va dans 4, dans 3, dans 2, et c'est parti. On choisit une jambe, on reste. Donc, soit ça, soit ça, soit ça. Le regard devant, ici, rentrez les hanches face à l'écran, donc face au mur. Jambe arrière fléchie, pas de jambe arrière tendue. On va rester là 30 secondes. Et ensuite, on reprendra nos fentes alternées. Hein. Voilà. On tire les épaules vers le bas. On a la poitrine légèrement sortie, mais sans accentuer de lordose. Hein. Je ne pousse pas mes lombaires, je les laisse comme ils sont. C'est juste que je ne me recroqueville pas, c'est tout. Et encore 4, 3, 2, et on y va. On alterne. Je reprends le premier exercice du premier tour. Allez, inspirez, soufflez, montez. Et encore 10, et encore 9. Si besoin, j'ai ma chaise. Et 7, 6, 5. 4, 3, 2, la dernière, et soufflez, relâchez. Si besoin, je décompresse, hop, je peux bouger aussi les cuisses comme ça. On va équilibrer, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On commence par 30 secondes d'isométrie, et ensuite on reprend les fentes alternées. On est parti, on installe la jambe, si besoin j'ai ma chaise, on y va dans 4, dans 3, dans 2, et c'est parti. Allez. Allez, vérifiez. Si vous ne pouvez pas vérifier tout seul qu'il y a quelqu'un à côté de vous, vous lui demandez qui regarde. Et là, il va voir si votre genou est bien à 90 ou s'il va chercher le droit. Ça, évitez. Hein. Vraiment. Si vous faites souvent les cours, là, si vous faites les circuits, si vous les faites toutes les semaines avec les genoux qui dépassent, vous risquez de vous blesser. Voilà, les gros orteils du pied avant, ils sont bien étalés dans le sol. Si vous êtes pieds nus, si vous êtes en basket, pareil, essayez de les étaler au maximum dans votre chaussure. Regardez, hanche face, pas de lordose accentuée. Ok, 5, 4, 3, 2, on y va ensemble. Allez, j'inspire, je souffle et j'alterne. Allez, activez-moi ce muscle du fessier. Pressez la plante de pied avant. Et encore, 6. Et 5, 4, 3, les deux dernières fentes, la dernière, essoufflez, relâchez. Bravo. On laisse les jambes récupérer, comme tout à l'heure, on repasse au sol. Alors, premier exo, la planche inversée. Première option, vous vous souvenez, c'était le pont. Hein, j'avais les jambes fléchies, je pousse mon bassin à la force de mes fessiers. Deuxième option, je rajoute du poids de corps. J'ai les jambes allongées. On va commencer avec ça 30 secondes et ensuite
je vous donne des petites options qui sont valables et pour le pont et pour la planche inversée. On est parti dans 4, 3, 2 et go. Allez, celui-là, oui, je sais, il n'est pas facile. Mais il faut qu'on fasse des exos qui vous sortent aussi de votre zone de confort. Il faut qu'on progresse toutes les semaines. Donc on se rajoute des petits exos. Voilà, vous l'avez peut-être vu avec d'autres, avec moi. Donc, voilà, moi j'ai gardé un peu les fessiers bas, donc là, il faut que je les recontracte pour qu'ils remontent. Ok? Encore 10 secondes comme ça. Pendant que vous faites les 10 secondes, je vous montre l'option. C'est celle-ci. Hop, je ramène. Je ramène le genou. Si je suis en pont, ça donne ça. Je ramène et je pose. Je ramène et je pose. Et on en sort pour les 15 dernières secondes. Allez, hop, et je pose. Allez, au niveau du bassin, rétroversion. Ne lâchez pas le bassin comme ça. Poussez les épines vers le plafond, vers l'arrière. Et encore, ça engage tout seul vos fessiers. 4 secondes. 3, 2, dernière. Et on pose. Allez, celui que vous connaissez bien, pour travailler les fessiers à l'arrière de la cuisse. Pour intensifier, je rajoute de l'isométrie pour commencer l'exercice 30 secondes. Donc, rétroversion. Donc, au lieu de creuser mon dos, je change. Là, je creuse, c'est pas bon. Je remonte les épines comme à l'échauffement vers l'arrière. Ok, et on reste là. On est parti. 30 secondes pour celui-ci. Talon pas trop loin des fessiers. Hein, voilà. Ok. Allez. Celui-ci, on en profite aussi un peu pour récupérer du précédent. Voilà. Les omoplates bien ancrées dans le sol. Jusqu'au milieu du dos à peu près, hein, c'est ancré dans le sol. Et encore. Et presser les talons. Pareil, celui-là, soit je peux le faire en mode relâché. Il ne se passe pas grand-chose. Je n'ai même pas les fessiers contractés. Soit je le fais en conscience de ce que je fais, je presse mes talons, je fais ma rétroversion. Et encore pour 10, pour 9, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on est parti. On descend et on monte, on descend et on monte, sans changer en gardant le bassin en rétroversion et, qu'est-ce que je voulais dire, et sans toucher le sol avec les fessiers. Et encore, et là vous devez sentir, hein, je le sens là, encore pour 10. Encore pour 9 et pour 8, contractez les fessiers, 7 et 6, 5, 4, 3, 2, dernière fois, ok, posez, maintenant ramenez juste les genoux sur votre poitrine et puis faites juste des petits cercles comme ça pour masser un petit peu le bas du dos avant d'attaquer le pointeur, hop, voilà. Ok, ensuite, petite bascule et on se retrouve pour notre pointeur qu'on va modifier. 30 secondes statique, 15 secondes dynamique. Je vais le faire avec vous, comme ça je vous montrerai. Donc en gros, ça va donner ça, coup de pied flex, bras tendu et ensuite je rapproche, coup de pied flex. Je rapproche, coup de pied flex, bras tendu. Ok, on est parti dans 4, 3, 2, et on y va. Pareil, travaillez en toute conscience. Allez, je suis avec vous, je tire votre main et quelqu'un tire votre pied derrière. Vous avez donc la colonne qui est allongée. Vous n'êtes pas recroquevillé sur vous, non. Vous avez la poitrine qui va chercher vers le bas sans trop l'endoser. Hein. On garde sa cambrure naturelle et on reste. Vous avez encore, allez, 5 secondes. 4, 3, 2, dernière, et on est parti. Je rapproche et j'éloigne, mais je garde l'engagement. Encore. Et j'éloigne. Encore 4 comme ça. Et encore 3. Et encore 2. Allez, celui-là, il va renforcer votre équilibre. Dernier. Ok, je pose. Fessiers sur les talons. On laisse les poignets récupérer. Et on est reparti de l'autre côté. Même chose, 30 secondes d'iso et le reste en dynamique. Et on y va dans 4, dans 3, dans 2 et c'est parti. N'oubliez pas de changer de jambe, de changer de bras.
les hanches carrées. Voilà, vous devez donc sentir derrière votre grand fessier qui est engagé. Si vous ne sentez pas, c'est que le pied est trop bas. Remontez-le un peu. Mais par contre, pas besoin d'aller chercher la cuisse est parallèle au sol. Okay? Alors, sur l'isométrie, il vous reste, 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernière, et je suis partie dynamique. Hop! Inspire, souffle. Encore 3. Et encore 2. Et encore 1. Et posez. Relâchez. Soufflez. On se retrouve debout pour l'exocardio. 30 secondes cette fois-ci. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Hop. On est parti dans 4, dans 3, dans 2. Et on y va. Allez, go! Je lance le chrono. Le premier, vous en souvenez, c'était celui-ci. Allez. Pareil, plante de pied ancrée dans le sol. Et je descends et je monte. Ok, allez, encore 10 secondes. 4, 3, 2, dernier, et jumping jump. Allez, début, plante de pied bien ancrée dans le sol. À peine j'ai posé, à peine je repars. Pareil, si je ne peux pas sauter, dégagez côté. Et rapide. Si j'ai des problèmes d'épaule, je garde les mains au niveau des hanches. D'accord? Et encore. Et 10, et 9, 8, 7, et 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Et montez le genou. Deux possibilités, sans impact, ou alors avec impact. Et encore, tirez les coudes derrière vous. Allez, grandissez-vous. Verticalité. Et encore 10, et 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier, et sur le côté, sur le côté. Allez, après on récupère. Très léger. Par contre, le bras, c'est pas... Non, on engage le bras. Et encore. J'inspire, je souffle. Sans saut, pas de problème. Je ne fais que, j'alterne, sans le saut. Je garde l'engagement du haut du corps. Et encore 7, et 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Soufflez et relâchez. Deuxième tour de fait. Il nous en reste un. On va faire une petite pause avant. Et puis après, on attaque le dernier. Alors, j'espère que ça va toujours. Que le deuxième tour s'est bien passé. Allez, le troisième, là, vous allez vous sentir bien à l'aise. Hein. Vous êtes super échauffé. Vous connaissez les exos. Donc celui-ci, on en profite. On va aussi travailler le mental. On essaye d'aller plus loin. Tiens, pourquoi pas prendre l'option. J'essaye, j'en ferai peut-être que 4. Ou peut-être que finalement, je vais m'étonner et que je vais y arriver. Hein. Profitez de ces séances où vous n'êtes pas tout seul. Vous avez quelqu'un quand même qui vous guide, qui vous accompagne pour essayer de découvrir autre chose et de sortir de votre zone de confort, tout simplement. Voilà. Bon, allez, troisième tour. Donc, qu'est-ce que je vous ai prévu? Oui, on va changer, on va alterner. On va commencer par le travail d'épaule et ensuite le travail de squat. Donc, vous allez voir, il y a aussi une dimension cardio. Ça va donner ça. Je reste. Donc, soit large, soit serré, à vous de voir, mais dans les deux cas, je vais vers l'extérieur. Asseyez-vous dans ce squat. Vous avez vu comme je suis descendue là. Et ensuite, les épaules. Pendant 30 secondes. Hein, il a l'air de rien, mais vous allez voir, vous l'avez bien senti. Et ensuite, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. On est parti dans 4, dans 3, dans 2, et c'est parti. Allez. Voilà, et je m'installe. Allez-y, j'ai juste oublié de lancer le chrono. Voilà. Ok. Vous avez vu le buste? Rien ne bouge. Hop. Que les épaules. Allez, cette fois-ci, l'adversaire, il est devant. Donc, allez-y, devant, devant, devant. Et à fond. Allez, il nous reste 15 secondes pour celui-ci. Toujours
toujours bien assis dans mon squat. Si je sens que je vais perdre un peu ma posture, que je lordose, que je ferme mon dos, hop, j'ai juste à remonter. Et si j'ai du mal avec le squat, je viens m'asseoir sur ma chaise. Je peux m'asseoir sur une chaise et je continue, juste pour travailler l'amplitude. 5, et 4, et 3, et 2. Dernier, et on y va ensemble. Coude, genou et monte les bras. Inspire et souffle. Encore. Allez. Ne regardez jamais le sol sur le squat. Regardez droit devant. Et encore. Et 5, et 4, et 3, et 2. Et si on peut sauter, 4 squat jumps. Si on ne peut pas, on reste squat normal. Et encore 2. Et dernier. Et relâchez. On récupère. Tranquille. Le deuxième, je ne l'ai toujours pas changé. Il reste comme il est. Coordination jambes, coordination dos. Juste ce que je vais vous demander, c'est de mettre un maximum d'intensité quand vous vous redressez. Enfoncez quelque chose dans le sol avec toutes les plantes de pied. Chrono. On est parti. Dans 4, dans 3, dans 2, et on y va ensemble. Allez. Antélation. Ok, je reviens passer un autre. Poussez les plantes de pied dans le sol. Contractez les fessiers. Vous les contractez. On est reparti. Inspirez. Soufflez. Poussez les plantes de pied. Contractez ischio, contractez les fessiers. Et encore. Inspire. Expire. Et encore. Allez, il nous reste 25 secondes pour celui-ci. Pressez, pressez, pressez. Gardez la sangle abdominale engagée. Gardez les coudes ouverts. Ne refermez pas, gardez-les ouverts. Tirez les omoplates vers le bas. 7 secondes. 6 et 5. 4, 3, 2. Dernière. Soufflez et relâchez. Dernier exercice de jambes pour ce premier tour. Enfin, d'ailleurs, de toute la séance, parce qu'on n'aura pas sur le deuxième circuit d'exercice de jambes. Les fentes, les fentes, les fentes, les fentes. Donc, on va repartir sur notre isométrie et regarder ce qui va se passer après. Je ne vais pas alterner, je vais rester sur la même jambe. Mais, transfert du poids vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, enfin pas vers l'arrière, réparti au milieu, vers l'avant et je redescends, vers l'avant et je redescends. Ok ? Voilà, sur une seule et même jambe. Mais on commence 30 secondes d'isométrie. Dans 4, dans 3, dans 2, choisissez la jambe. Allez chercher moi derrière. Allez, sur le troisième tour, deux possibilités. Soit vous vous sentez super bien, vous avez suffisamment d'énergie et pour faire l'exercice et pour garder votre posture, vos alignements, donc top. Génial. Soit peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pour quelle raison, je fatigue. Et donc du coup, je vais commencer à faire ça ou à faire ça, hein, à perdre mon équilibre. Donc là, c'est pas grave, réutilisez l'amplitude. D'accord ? Voilà, tranquille. Encore 4, 3, 2, dernier, transfert de poids vers l'avant. Je redescends dans la fente, vers l'avant. Répartition poids de corps entre les deux jambes, puis transfert de poids clairement vers l'avant. Répartition, transfert. Oui, la jambe avant, ça commence à chauffer. Et encore 4. Et encore 3. Et encore 2 fentes. Et puis la dernière, on s'installe, transfert de poids, et on relâche et on décontracte. Le même job de l'autre côté. On récupère. 30 secondes d'isométrie. Et, bon, vous l'avez vu, on a fait un peu plus quand même, 15 secondes pour les transferts de poids. Donc on va dire les 20 secondes à peu près pour la deuxième partie de l'exercice. On change de jambe et on y va dans 4, 3, 2, et c'est parti. Voilà, je viens m'asseoir tranquillement dans la fente. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais ceux qui voulaient, vous pouviez reprendre hein, celui qu'on a fait tout à l'heure avec les bras vers le haut. Voilà. Et je reste. Pareil, je suis en forme, hop, je descends un petit peu plus le genou arrière. Je ne suis pas trop en forme, mais je vais remonter un petit peu le genou, hein. Pour plutôt miser sur ma posture, tout ça. Allez. Pareil, hein. J'accentue pas la lordose. Je ne pousse pas mon poids de corps, mon buste vers l'avant. Non, non.
Je reste en position de 4, 3, 2, dernier transfert de poids. Basculez vers l'avant freiné. Repartez dans votre fente. Oui, le buste part vers l'avant quand je fais le transfert de poids, mais ensuite, il revient vertical. Vers l'avant incliné. Vertical. Et encore 4. Et encore 3. Et encore 2. Et dernière fois. Et relâchez. On a débarrassé des fentes pour aujourd'hui. On récupère. Si vous avez soif, buvez un petit peu. Et on passe au sol pour les prochains exercices. Planche inversée. Voici les deux options. Récupérer, je vous montre juste les options. La première, c'était celle pour avoir un peu moins de poids sur les poignets. Donc on va dire la plus accessible. C'était ça. Si je voulais rajouter un petit truc, c'était ça. Hop, voilà. Et bien là, je vais faire ça. Regardez. Hop, je décolle aussi la paume de main. Hop, et je viens toucher. Peut-être que vous allez même pouvoir toucher vos orteils. Et pas le genou. Voilà. Donc, objectif, j'essaie de ne pas partir sur le côté. Je garde mon bassin et c'est juste. Hop, paume de main, orteil ou paume de main, genou. Okay. Pour les autres, voilà ce que je vous propose. On est en planche avec plus de poids de corps. L'option, c'était ça. Et là, regardez, sans poser le talon au sol. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais chercher sur le côté, je vais avec l'autre. Je décolle, sans poser le talon au sol, je vais chercher sur le côté. Et je reviens sans partir. Bassin face. Allez, on y va dans 4, dans 3, dans 2, et c'est parti. Je reprends les deux options si besoin. Vous vous connaissez avec une bien. La première, c'est ça. Et ensuite, hop. Ou alors, touche genou. Voilà. Gardez les fessiers contractés. Ok, deuxième. Je suis là. Donc je suis là, je ramène près du buste sans poser le talon, j'ouvre le côté, après je pose. Hop, voilà, sans poser le talon, j'ouvre le côté, après je pose. Pareil, et pensez toujours à garder les fessiers contractés, à garder la rétroversion, pas de ça, non, rétroversion. Ok, encore 3 secondes, 2, dernière, et relâchez. On récupère, celui-là il n'est pas évident, pas facile. Après ça, on va récupérer le suivant. Nos relevés de bassin pour les fessiers et l'arrière des cuisses. Donc, pour changer, voilà ce que j'ai prévu. 30 secondes isométrie. Et ensuite, regardez. Donc là, imaginez que je viens de finir mon isométrie. Je décolle. Et ensuite je change. J'inspire. Je souffle. Et c'est pas mon genou qui bosse, c'est pas lui, c'est pas la jambe qui bouge, c'est la plante de pied du pied de terre qui pousse et donc du coup ça fait monter mon autre jambe. Hop, voilà. Allez, on y va dans 4, dans 3, dans 2, 30 secondes, isométrie. Hop, voilà. Les talons toujours pas trop loin des fessiers, avec le bout des doigts j'arrive à les toucher. J'ai toujours l'attache du soutien-gorge dans le sol. Si vous n'en portez pas, aux messieurs, c'est comme si il y avait le milieu du dos jusqu'aux vertèbres là, dorsales qui sont ancrées en dessous. Ok, on va bouger dans 4, 3, 2. Le pied de terre bosse. Enfoncez-moi ce pied de terre. Du coup, hop, l'autre jambe se soulève. Et encore. Mais mon dos, il ne bouge pas. Mon dos ne bouge pas. J'ai toujours mes vertèbres qui sont collées au sol. Hop. Voilà. Par contre, vous devez bien sentir le grand fessier. Et encore. Pressez plus fort le sol. Encore plus fort, plus fort, plus fort. Pour 4. Encore plus fort pour 3. Allez, on donne tout dernier tour. Plus fort pour 2. Plus fort, dernier. Ensuite, sans poser les fesses, posez les deux plantes de pied. Et maintenant, serrez de manière égale vos deux plantes de pied dans le sol. Rétroversion. Contractez les fessiers pour 8. Pour 7, pour 6, pour 5, et 4, 3, 2, dernier. Posez, récupérez, comme tout à l'heure. Hop, j'ai un peu étiré les fessiers et en même temps je décontracte le dos.
parce qu'on a besoin pour la suite, pour le pointeur, le dernier pointeur. Hop. Ok. Et ensuite, on se retrouve. Quatre pattes, dernier pointeur. Je reviens tout simplement sur de l'isométrie pendant 30 secondes. Donc, alors, ça donne ça. Isométrie pendant 30 secondes. Ensuite, j'ai plus qu'à poser mes avant-bras au sol, reculer un peu mes genoux et je suis en position de planche pour 30 secondes. Et ensuite, je repose mes genoux au sol, je reviens à quatre pattes et je fais l'autre côté pointeur pour 30 secondes. Okay? Donc en tout, 1 minute 30 de gainage. On est parti dans 4, dans 3, dans 2. On commence 30 secondes de pointeur. Coup de pied flex, bras tendus. Toujours les hanches carrées. Hein, sur le dernier, là, on a un peu tendance à se relâcher. Non, non, non. Surtout, ce n'est absolument pas le moment de vous relâcher. On est... on a dépassé un peu plus de la moitié de la séance quand même, mais on n'a pas terminé. Donc surtout, restez bien concentrés. Ok. Et encore. 4, 3, 2, dernier. On est parti. 30 secondes planche. Donc, soit les genoux au sol, soit les genoux décollés. Pareil, pas de lordose. Si vous sentez que ça lordose, petite rétroversion au niveau du bassin. Abaissez les omoplates vers le bas. Et encore 5, 4, 3, 2. Dernier, genoux au sol. Ramenez un peu les paumes de main, quadrupédie, et on est parti pour le pointeur. 30 secondes de l'autre côté. C'est parti. Allez, pareil, c'est le dernier. Après, il ne nous reste plus que le cardio. Et puis, ensuite, j'ai deux exos à vous proposer qui vont être très rapides. Ok. Allez, 20 secondes. Tenez votre posture. Trouvez l'équilibre. Réajustez le bassin. Gros orteils vers le sol. Allez, 10 secondes très actives. Bout des doigts, pieds, on tire de chaque côté. Et 5. Et 4. Allongez-vous. 3. 2 à fond. Dernière à fond. Et soufflez, relâchez. Dernier exo. On passe debout pour le cardio. Allez. Allez, celui-là, on en profite, c'est le dernier. On se défoule. Hein. On y va à fond. Si vous avez mis la musique, là, augmentez un petit peu le son pour le dernier. Et on est parti dans 4, dans 3, dans 2, et on y va. Allez. Allez, profitez des endorphines pour vous libérer. Allez, profitez de toute l'énergie qu'on vient de produire. On va la garder pour toute la journée. Et encore. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier jumping jack. Allez, très rapide, très rapide. À peine je touche le sol et je repars. Ou dégagez côté, comme vous voulez. Allez. Bout des doigts actifs. Et encore. Et 5, 4, 3, 2, dernier. Montez de genoux. Première option, j'y vais juste en montant les genoux sans impact. La deuxième. Impact dans les deux cas, périnée serré, abdos rentrés pour amortir l'impact. Et encore. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Et 2 à droite, 2 à gauche. Allez, si je n'ai pas encore fait les sauts peut-être au début, peut-être que je peux les faire maintenant. J'essaye. Et encore. Allez, à fond. Et 8 à fond. 7, 6, 5, 4 à fond. Encore plus vite. 3, 2, dernier. Et relâchez. Bien joué. J'espère que ça va. J'espère que vous êtes essoufflés à la façon de parler. Mais quand même, vous avez senti là, votre cœur qui a bien travaillé. Hydratez-vous. Ok. Donc, j'avais prévu. Deux derniers exercices, voilà, qui vont être assez rapides. Donc, si vous avez le temps,
pouvez les faire. Si jamais vous n'avez pas le temps, parce qu'il est déjà midi une, vous faites un petit stretch hein, pour abaisser le rythme cardiaque tranquille. Vous savez, vous étirez les quadrilles, tout ça, vous faites un peu de mobilité, pas trop longtemps. Et puis après, vous vous hydratez. Voilà, ceux qui peuvent rester. Hop, j'enchaîne. Pendant que vous récupérez, je vous le montre. Sans l'abdominal dos, juste deux zones. Premier exercice, cardio, pendant 30 secondes. Regardez, hop, hop, hop. Si je ne peux pas le faire cardio, je le fais sans les impacts. Si je suis obligée de garder les genoux au sol, je garde les genoux au sol. Regardez, je peux le faire aussi avec les genoux au sol. Je décolle mon genou. Ok? Voilà, on fait ça 30 secondes. Et ensuite, on enchaîne avec le deuxième exercice. On y va dans 4, 3, 2, et c'est parti. Donc, ça, c'était l'option cardio, l'option la plus intensive. Je peux sinon le faire sans le cardio. Et sinon, je peux poser mes genoux, si j'ai plutôt l'habitude de travailler comme ça. Je décolle genou-poignet, genou-poignet. Allez, 10 secondes dans les deux cas. Périnée, serrée. Bloquez-moi votre bassin, je ne l'endosse pas. Et encore, 5, 4, 3, 2, dernier. Posez. Cette fois-ci, le buste au sol. Ok, je fais un sandwich là avec les mains, comme ça. Et là, dos des pieds au sol, il reste au sol. C'est pas super mal, c'est juste extension. Je décolle le buste, je pose. Pas facile celui-là, vous allez voir. Hop, et je pose. Et encore, j'inspire et je souffle. Ok, pour votre dos. Et on est parti. 30 secondes pour celui-là. Celui-là, allez-y, tranquillement. Hein, fais attention, c'est une zone sensible. Donc, on ne peut pas aller vite. Celui-là, j'inspire. Voilà, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Hein. Et surtout si vous n'avez pas beaucoup de mobilité au niveau du dos, vous pouvez aller tranquille. D'accord? Activez les spinaux. Ensuite, je pose. Inspire, décollez la poitrine. Et posez. Encore. Et encore 3. Et je pose. Et encore 2. Et je pose. Dernière fois. Et posez. Ok. Et bien, on va retrouver notre premier exercice. D'accord? On va alterner ça une deuxième fois. Donc, le premier, il y avait 3 options. Vous prenez celle qui vous convient. Cardio, pas de cardio, peut-être genou au sol. Je change uniquement celui du dos, ok? Allez, je sais, il y a peu de temps de récup, c'est fait exprès. On y va dans 4, dans 3, dans 2, et c'est parti, 30 secondes. Hop, je choisis mon option. Même si j'ai du cardio, vous avez vu, le bassin ne bouge pas, hein, je ne pars pas sur les côtés comme ça. Hein. Celui-là, il existe, on peut le faire, mais ce n'est pas celui du jour. Là, je garde mon bassin fixe, ok? Voilà. Allez, profitez, défoulez-vous. Oui, il n'est pas facile et oui, on peut parfois sentir le haut des cuisses, hein, le psoas qui s'engage, voilà. Et encore, allez, 5 et 4, 3, 2, dernier, posez, relâchez. On enchaîne avec le dos, cette fois-ci c'est celui-ci, on l'a déjà fait ensemble, vous le connaissez pour la plupart. Je soulève le bras à la force du buste, je soulève la jambe opposée, hop, bras et jambe, et on est parti. Mais ce n'est pas le bras qui travaille, c'est le buste, c'est le dos, pardon, qui travaille. Et ce qui fait que votre bras se décolle. Et encore. Voilà. Bras, jambes opposées. Et je pose. Bras, jambes opposées. Le bassin collé au sol. Hanche carrée, pas d'ouverture de hanche. Et encore. 5. Et encore. 4. Et encore. 3. 2. Dernière fois. Et posez, essoufflez, relâchez. Vous pouvez rester allongé au sol et vous pouvez faire un petit coussin avec les paumes de main. Vous imaginez que je suis allongé au sol et vous posez la joue sur ce coussin. Voilà. On laisse juste la colonne se replacer, se réaligner et on va commencer notre tour calme dans cette posture. Ok? Voilà. Hop, j'espère que vous me voyez. Hein? Ok, on inspire, on souffle. Et on va commencer avec l'étirement des abdos qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Posture du sphinx, avant-bras au sol, coude près de votre poitrine et de vos côtes. Et là, j'inspire, coude pied actif, jambe active, on presse dans le tapis
Et je soulève, je fais travailler mon dos pour étirer mes abdos. Voilà. Par contre, vous poussez bien le pubis dans le sol et vraiment les cuisses sont actives, elles pressent dans le sol. Voilà, sans forcément contracter les fessiers, mais pressez-moi les cuisses et le dos du pied. Ensuite, inspirez, redescendez. Expirez, même chose. Ceux qui veulent aller plus loin, vous connaissez l'option, ou si vous ne la connaissez pas, c'est chien tête en haut. Donc, je presse les paumes de main dans le sol. Et regardez, ça augmente mon extension. Le regard droit devant. J'étire mes abdos. J'en profite pour tirer, enrouler, et ensuite tirer les épaules vers l'arrière. Ok, et relâchez. Ensuite, attrapez une cheville pour venir étirer la cuisse. Puis l'autre. Hop. Voilà. Ou si vous voulez faire qu'une seule, vous faites un côté à la fois. Si vous n'arrivez pas à attraper la cuisse, attrapez votre pantalon. Vous l'attrapez comme ça, hop, et vous ramenez. Ok, ensuite on relâche. Et on va passer sur les talons. On pose les fessiers sur les talons. Et on est parti. Comme à l'échauffement, on y reste un peu plus longtemps. Donc celui-là. Sans appuyer avec le bras sur votre tête. Peut-être que vous êtes là. Hein. On ne peut pas tous faire ça. Si on a été blessé à l'épaule, des fois c'est difficile d'aller chercher derrière. Donc peut-être que vous pouvez, vous êtes seulement ici. Relâchez. Et ensuite, même chose de l'autre côté. J'accompagne tranquillement. Voilà. Ok. Ensuite, relâchez l'épaule. Devant. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Si vous sentez que vous avez besoin de faire des étirements, vous pouvez continuer après. Si vous avez besoin d'idées d'exercices d'étirement, vous avez juste à nous envoyer un petit message et on vous donnera des idées et des exercices de l'autre côté. Ok. Et ensuite, pour le dos, posture de l'enfant, si vous ne connaissez pas, vous avez les fessiers sur vos talons, vous pouvez ouvrir un peu les genoux pour laisser de la place à votre poitrine, votre buste, hop, et vous devez chercher la main avec les bras. Vous posez le front au sol et vous relâchez les épaules, ce qui fait que les bras vont un peu descendre sur le tapis. Et vous restez dans cette posture. Trois inspirations, expirations. Voilà. Sentez, vérifiez votre état voilà, émotionnel avant de commencer la séance. Là, est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous sentez plein d'énergie ou pas? Voilà. Allez, encore une inspiration et une expiration profonde. Ok, ensuite on va se redresser. Voilà, pour la séance d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça s'est bien passé chez vous. Désolée pour le retard. Voilà, ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Comme d'hab, on la voit au moins allez, d'ici 16h, j'ai tout bu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Très bonne journée et puis vous retrouvez Benoît pour le prochain circuit training de la semaine et moi pour le yoga mercredi. Mercredi, le thème du yoga, on va travailler, du coup vous allez voir l'acceptation du corps, comment travailler avec son corps, avec son poids de corps, enfin, voilà. Allez, bonne semaine, à bientôt, au revoir.